Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre. Il aime à t'entendre, dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre, dis-lui simplement tout. Si ton passé surgit comme une ombre, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il peut effacer tes péchés sans nombre. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre, dis-lui simplement tout. Céleste guide, je me dirige
Éducation et rédemption, une seule et même œuvre. Là, nous quittons le mot éducation, puisque nous avons passé sous lit plusieurs fois pendant la semaine. Là, nous prenons l'autre mot qui vient après, qui c'est rédemption. Là, nous prenons défini mot ça, nous pas capable croiser avec un mot qui c'est rachat. Si ma pour exemple, on dit, je vais un téléphone, je remets en pile et puis. Ça arrivait pendant ma marché on pickpocket pendant le sous moi pas ouais et puis l'homme fourre même dans poche même pas ouais donc me saisi moi pas ouais donc ça arrêté mais pendant ma marché me joine li non vitrine en vitrine côté il y a vendre téléphone malement il vrai me garder moi ouais ce téléphone moi parce que me t'ai marqué moi ça oui ça est téléphone moi donc rachat c'est l'homme dit combien téléphone ça et puis il dit mais tel prix. Malgré me connaissait pour moi lié, c'est volé ou volé, donc m'achetel encore, m'achetel une deuxième fois. Donc yon téléphone, tout le monde qui remet téléphone n'a fait ça pour lui. Donc téléphone non d'ailleurs c'est une chose liée. Donc c'est pas faute téléphone non qui fait téléphone non li perdu. Kou y a si m'ta prend même exemple ça avec yon chien gen, yon chien habitué avec lui, yon chien remet. Yon chien met la kay la kapitan moi et puis l'homme vini m'pa wèl donc li déplacé la li sauvé ou bien m'wèl m'couri d'elle li couri et comme s'il ta marron j'en connais gen quelques bêtes qui kon kite kay yo kite foye yo kon marron donc li ta marron et puis la li et puis nan marché kon sa m'wèl non cage côté gen côté y a vann li disons côté gen l'autre bête qui avec li peut-être en pile nan nou te ka di m'préférer aller dans même espace y a bonne bête ça m'acheter un autre chien au lieu m'acheter même chien ça qui te fait qui fait me fait tout la dit tout ça qui sauver jusqu'à si au voler y a le vendre au lieu m'acheter mais c'est ça rédemption là nous considérer par rapport à nous même l'homme c'est ça qui rédemption c'est même gens à yon ti moun nous dit qui pas connait éducation du tout là prend ti moun ça ou mené l'école ou éduquer c'est comme si son ti moun qui était perdu même j'ai avec téléphone là ou encore même j'ai avec chien qui était perdu qui était allé et puis ou râler l'ou vini ou acheter yon deuxième fois donc c'est là travail éducation donc sous mot ça on a bien comprendre que éducation avec rédemption c'est même travail là donc en tant que chrétien nous là pour nous porter éducation by monde là by petite nous by famille nous premièrement et by tout le monde by monde là j'en m'était dit premièrement et c'est là travail rédemption capable pour enrichir tout parce que c'est un seul un même travail c'est avec ti parler ça nous prend plaisir pour nous souhaiter au bienvenue dans l'autre journée ça dans semaine de prière dans deux semaines de prière éducation nous gagner sous plateforme MEODH sous plateforme mouvement évangélique des ouvriers de la dernière heure à présent nous connons déjà accroché ou nous connons déjà mettez un pouce bleu baillon like à émission ça nous disons merci pour ça et nous invitez au kounia même pour attendre un chant spécial avec sœur Johanna Titi, bonne audition. Bénis l'éternel.
Dieu d'amour. Fais du bien, j'exalterai l'Éternel pour tout s'être fait. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel, j'exalterai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh, parce qu'il t'a fait du bien. Nous allons lire ensemble verset ça qui a tout servi nous du texte de base. Pour la méditation du jour, nous jouons l'île dans Éphésiens 5, versets 1 et verset 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, comme un sacrifice, comme une offrande de bonne odeur. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous avons invité pour couper tête nous et nous pral faire monter prière ça à l'Éternel. Bon et tendre Père des cieux. Merci pour semaine éducation ça ou pote pour famille yo là côté yo yé ou pote pour nous-mêmes là côté nous yé et merci pour parole qui proclamé chaque soir pour aider nous comprendre comment éducation à rédemption c'est un seul et même bagaille c'est un seul et même travail nous gain pour nous faire et travail si là à aider nous avancer avec l'œuvre de l'évangile dans le monde entier. Merci Père, parce que vous accompagnez nous. Merci Père, parce que vous protégez nous. Merci pour sacrifice ça, vous fait pour nous. Sacrifice ça, vous fait qui pour enseigner nous, qui pour apprendre nous. Et sacrifice ça, qui monte en bas n'est pas par où. Tant qu'on sacrifice, qui gagne bon sens. Jean verset a dit là. Accompagnez nous et béni pour nous. Reste pour un qui peut aller pour exécuter notre programme ça. Fait au-delà de ça nous mériter pour nous.
Et tout ça nous dit, nous pas dû dire, on va retirer pour nous, Seigneur. Tout ça nous pas dit, on va ajouter pour nous, afin que prière ça capable de monter, aller joindre papa ou même gens avec ou même comme un sacrifice de bonne odeur. Béni, exauce, pardonne. Nous fait prière ça monter vers vous, c'est pas en vertu de qualité nous, de dignité nous. Non, non. Mais c'est dans le nom de Jésus-Christ, petit ou lui-même qui a vivre, qui a prégné au siècle des siècles. Amen. Merci. À présent, nous allons passer rapidement dans la rubrique ça, qui relie Le saviez-vous? Est-ce que vous êtes connel? Donc, avec vous, le frère Olivier Masséan, dans la rubrique Le saviez-vous? Fidèle ami, internaute, encore une autre fois, bonsoir. Nous comptons après-midi pour nous capables avec vous dans le cadre de discussion, nous, de découverte ça. Est-ce que nous te connaissons que mot nous a utilisé chaque jour gagne de très grande puissance? Hier, nous te voyons ensemble combien il est important lorsque nous avons parlé avec vous pour apprendre à entendre. Eh bien, je dis à vous, lorsque vous parlez avec un monde, combien il est important pour utiliser Moyo très bien. Ça qui arrive, on moun ka ba ou yon kout roche, yon kout bâton, ok? Zo pa arrive kase. Mais yon grande parole que yon moun kapab di ou kapab blesse cœur. Chose étonnante, mais vrai. Eh bien, chers amis, à travers création nous, bon Dieu te mette nan kon nou pa mal d'organe et yo chak gen rôle pa yo. Par contre, Jésus pa pran le soin pou le faire konnen, pou le faire nous konnen que gen yon organe ki nan kon nou yo, nou pa ka rive, alors si nou pa maîtriser li kapab pou nou, yon problème. Si m'ta pose question, c'est sûr et certain ou t'a ou gen jwenn réponse nan, c'est ki organe ke liye. Bien, quand nous parlons de puissance de la parole, nous voyons que nous sommes capables de prononcer la parole avec bouche nous, grâce avec la langue qui est dans la bouche nous. Eh bien, si organe ça, ou bien si partie ça qui est dans la bouche nous, qui paraît insignifiant, c'est un bagage, un élément que nous devons maîtriser. Lorsque nous ne maîtrisons pas, il est capable de faire un pile dégâts. Et lorsque nous bien maîtrisons, il est capable de faire beaucoup de bien. Dans Jacques 3, versets 2 à 12, que vous m'invitez au lit, par contre, vous ne pouvez pas lire avec ou kounya, mais vous mettez marqué pour capable lire. Vous pouvez voir comment Jésus-Christ prend le soin pour le capable de faire nous connaître que langue qui n'en bouche nous, l'essayons du feu. Et l'essayons également le monde de l'injustice. Parce que avec langue qui n'en bouche nous, l'essayons capable fait de bonnes choses, constatons qu'il est capable de faire de mauvaises choses. Peut-être moi-même avec vous, capable de nous compte de ça. Nous te compte parler, parfois, bon, je connais un pile de monde, tant que dans le langage, capable de laisser ta page. Il y a un pile de monde qui remet fait ta page, qui remet fait blague. Eh bien, nous parlons ensemble, je dis, hein, quel péché que l'homme nous capable de commettre. Peut-être ou pas te connais ou tu penses c'était mais seulement dans action dans soit moyen dans soit faire avec qui t'es ca faire péché. Eh bien si langue qui dans bouchon qui caché dans bouche là il est capable faire péché en pile en pile en pile. Eh bien yo dit nous que mais quelque dans péché que langue là lui-même li responsable tel que propos colérique vantardise monde qui vante tête alors vantardise pardon blasphème. Moun qui a fait des farces grossières, moun qui a fait des tromperies, moun également qui a fait flatterie, des bavardages impies, moun qui a fait commérage, et également l'anglais capable de faire ou bay menti, li capable également faire, alors ka meto en querelle, dans discussion, ka meto en compte, et l'anglais sa capable de faire que ou ap di mal de prochain ou l'an. Eh bien, chers amis, langue qui n'en bouche moi-même ensemble avec vous. Parole a invité nous pour nous capables de maîtriser. Depuis que le monde a existé, c'est une raison qui cause que moi-même avec vous, je n'ai jamais dit à nous dans ça que nous trouvons. À force que langue, depuis
depuis longtemps, nous pas arrivé maîtriser lui, eh bien, il mettait nous très souvent dans des situations fâcheuses. Eh bien, si l'anglais, pendant que vous parlez ou pas maîtriser, ou dit n'importe bagaille avec lui, c'est sûr que certains monde qui en face ou en, ou capable blesser. Et si vous blessez, vous avez du mal pour le capable d'entendre. Tandis que vous parlez, vous besoin pour le capable d'entendre. Mais vous pas de dire n'importe bas, n'importe bagaille. Combien de nous arrive déjà que vous parlez ou fâché et puis vous dites une parole sans attendre. Et puis, quelques temps après, ou bien un peu plus tard, pendant chita ou bien couché ou en côté pour qu'on doit réfléchir, ou senti que vous avez dit un bagaille qui n'est pas correct. Bon, c'est ça qu'on arrive déjà. Eh bien, ça fait nous comprendre que l'anglais, combien est important pour nous capable de maîtriser. Par contre, est-ce que l'anglais bon côté parle? Alors, qui est l'autre dégât que l'anglais lui-même est capable de faire à part de pécher ça que nous saute cité là? L'anglais, bien aimé, est capable de détruire prochain. Imaginez, ou regardez m'la, ou peut-être ou juste par mes formes tête moins, ou inventez une histoire. Et cette histoire que vous inventez, elle fait le tour du monde. À cause de l'histoire que vous inventez avec l'anglais, je ne viens pas qu'à sauter dans la rue. Donc, vous faites beaucoup de mal. Sans pour autant, je ne reconnais tout pas même côté avec. Donc, l'important. Mais heureusement, bon Dieu, bon côté pas, il t'a créé l'anglais, c'est pas dans le sens mal qu'il t'a créé. À part de l'autre fonction que il exerce dans la bouche, eh bien, il est capable de faire du bien également. C'est là la bonne nouvelle. Eh bien, si vous êtes blessé en prochain avec l'anglais, vous avez possibilité avec l'anglais pour capable guérir la ça que vous avez causé. Parce que nous jouons ça à travers le livre des Proverbes. Il dit que les lèvres du juste conduisent la multitude. La langue des sages guérit. Proverbe 12, verset 18. Une réponse douce détourne la fureur. Donc, nous jouons en pile l'autre bagaille que l'anglais lui-même est capable de faire. Mais combien d'entre nous qui ne connaissent pas que l'anglais est 11 âmes? C'est sûr et certain, puisqu'on connaît que l'anglais est 11 âmes. Moi, invité pour capable utiliser la langue ça qui est dans la bouche, comme une âme pour conquérir les cœurs, pour capable soigner les blessures, pour capable former de bonnes relations et comme ça, moi-même avec vous, nous allons vivre encore mieux. Que bon Dieu capable bénir nous et mettre par ça en pratique pour que nous sommes capables de préparer très bientôt pour le retour de Jésus-Christ. Merci. Voilà. Voilà. À présent, vous pourrez bien poursuivre rubrique éducation ou bien coin d'éducation. Nous allons suivre point ça avec pasteur Edinel Renard. Et juste après pasteur Edinel Renard, nous avons gagné encore un chant spécial avec Johanna Titi. Après quoi, nous avons tout rentré d'emblée dans la méditation nous, pour jouer aujourd'hui avec pasteur Eloi. Donc avec vous maintenant, pasteur Edinel Renard, qui pourra le porter pour nous, coin d'éducation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, chers amis de MUOLH, c'est avec un pile plaisir que nous arrivons dans la rubrique ça, une rubrique que nous connaissons quand même en pile et que nous-mêmes nous tapons pour aujourd'hui. Alors, nous déjà pour démarrer avec la rubrique ça, nous mandez-vous une attention soutenue pour que vous capable bien saisir l'essentiel du jour en ce qui concerne cette rubrique assez importante. Alors, nous avons commencé avec lecture pensée pour rubrique ça, je vous dis, et nous avons commencé comme ça. La véritable éducation ne consiste pas enseigner de force et un esprit qui s'est ni préparé ni ouvert. Il faut d'abord éveiller les facultés intellectuelles, susciter l'intérêt. La méthode divine d'enseignement y pourvoyait. Lui qui créa l'esprit et en établit les lois, peut en assurer un développement harmonieux. Dans le foyer, comme dans le sanctuaire,
dans les choses de la nature comme dans celles de l'art, dans le travail comme dans les fêtes, dans les constructions sacrées et les pierres commémoratives par d'innombrables moyens, rites et symboles, les leçons que Dieu dispensait à Israël mettaient en lumière ses principes et entretenaient le souvenir de ses œuvres merveilleuses. Aussi, lorsque se posait une question, la réponse qui y était donnée se gravait dans les cœurs et les esprits. Alors, il faut préciser que nous, dans le chapitre 5, livre éducation. Maintenant, livre éducation, comme nous avons commencé avec plusieurs présentateurs, il présentait tout un ensemble de leçons qui permettra à ce que les parents, les professeurs, les croyants, en un mot, capables mieux adapter yo, mieux vivre yon avec l'autre, et dans le cadre de croissance de moun yon dans le foyer, eh bien, li présenter des lignes qui permettra à ce que qu'il y ait un équilibre qui fait convenablement. Alors, on a dit que, à travers penser ça que nous sautons l'IA, nous découvrons que y a une tendance qui est naturelle, la caille en pile monde, soit la caille parent, ou la caille dirigeant l'église, c'est utiliser la force pour imposer, pour faire un message passer. Alors, le style, le modèle de Dieu, l'ichita sous amour. L'ichita sous humilité, l'ichita sous respect de la personne en question. Nous capables dire que parents yo pas besoin goumer ak ti moun yo, frapper yo, di yo des paroles qui pas intéressant, on dit des propos ronflants pour yo faire yo adopter yo comportement, agir en façon ou faire yon bagage que yo ta aimé ou faire. Mais selon la méthode du Christ, pour nous enseigner mieux, c'est chercher tout moyen que ça possible, dans image, dans dialogue, dans blague. Des fois même blague que n'a bayo, nous ca choisir des blagues qui ont des leçons morales. Pour ca expliquer ti moun nan une histoire, ou mande qui ça comprendre. Donc, ou ca lire un petit texte et vous dire qui ça qui ça les senti qui dégageait comme leçon à travers. Ce sont des moyens très clairs, très simples. Ou ka sorti nos promenades, ou un oiseau ka passé. Ou voulait ti moun nan comprendre que bon Dieu crée tout bagay. Ou sorti avec ou al bon lac, ou al bon yon fleuve. Ou poser la question qui ça le penser. Ou poser la question sous poisson, sous oiseau, sous fleur, sous gros pied bois, etc. Sous des aliments que l'a consommé, on prend pour que ou capable mieux faire li découvrir des réalités, sont pas goumé avec elle. Dans l'autre sens là, à l'église parfois, il y a des monde qui qu'on a bail une réponse et puis il est énervé. Non groupe quelconque, il y a un monde qui pose une question, il y a un monde qui frustré parce qu'il pas doué poser une question. Mais non, chaque monde a droit à réponse, à une réponse quelconque. Gen moun ki tenu compte de tel moun sa pas doué poser question. C'est ton l'autre moun qui va constater ta réagir. Non. L'enseignement doit même bagay pour tout moun. Et c'est ça qui fait mes frères et sœurs. Nous devons accepter utiliser la répétition comme la méthode la plus importante dans l'apprentissage. On dit que la répétition c'est la mère de l'apprentissage. Il faut accepter de répéter les choses autant que possible. Gen moun ki dit grand moun, yo pa konn parler grand moun tout le temps, mais non, le travail de l'enseignement, li exige une répétition en permanence et nous pa dwe décourager gen moun ki pa gen patience. Si ou son enseignant ou pa gen patience ou pa ka bay résultat, sou son maman petite ou pa gen patience ou pa ka bien lever petit tout, sou son papa petite ou pa gen patience pour parler pour reparler. Gen moun ki di le pa parler deux fois, mais si bon Dieu te dit le pa t'a parler deux fois, comment l'homme t'a pillé? Donc c'est pour vous expliquer que
il faut prendre du temps, il faut utiliser plusieurs stratégies. Si vous utilisez telle méthode, il n'y a pas marché. Il y a un foyer qui crase à cause de l'absence de l'enseignement, à cause de l'absence de la patience. Madame n'a rendu compte que chaque jour, elle dit, monsieur, même bagarre, elle a toujours fait. Mais écoutez bien, vous êtes condamné à enseigner, mon ami ou ma soeur, mon frère, ou condamné pour mener une vie d'enseignement. Et c'est pour cela que je vous invite, mes frères et sœurs, à appliquer ces conseils. Comme pour le peuple Israël, eh bien, la sœur Hélène G. White dit nous que l'enseignement est fait par tous les moyens, sans force, sans gourmet, sans souci marré, sans faire pression, mais c'est avec amour, avec souplesse, avec joie. C'est comme si son volonté qu'on gagne pour utiliser son gagne comme capacité à pour émettre lui. Mais pour émettre, il y a sa mandée en pile patience. Et c'est accepter seulement pour que message ou besoin fait passer à passer. Ou après, nous compte que même si ça prend temps, mais objectif final là, c'est bail résultat. Alors, mes frères et sœurs, nous espérons que nous comprenons nécessité pour nous mettre conseil ça en pratique et n'a fini par rendre nous compte que travail enseignement que n'a fait soit la caille nous avec madame nous avec famille nous avec timoun yo avec zami nous n'a porté bon résultat. Que le Seigneur dans son amour vous bénisse abondamment. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'emmènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous, Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'emmènera jusqu'à bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous, Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles.
Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, chers et frères, chers internautes de la MEODH, amis, vous qui nous regardez là où vous êtes en ce soir, encore une fois, le même plaisir nous est offert d'être avec vous. Question de passer ce moment de la méditation de la parole de Dieu et surtout à travers cette semaine d'éducation sur le thème « Éducation et rédemption sont une seule et même œuvre ». Dimanche dernier, nous t'avons le plan divin pour les parents et les enfants. À travers ce sujet, nous t'ai réalisé qui ça l'Éternel lui-même en tant que pédagogue par excellence que lui gagnait pour nous comme plan, que ce soit parent, que ce soit enfant, que ce soit éducateur, que ce soit élève, nous est qui plan que l'Éternel lui-même lui gagnait pour nous. Et à travers ce sujet aussi, nous t'ai réalisé gagner des directives relationnelles que l'Éternel lui-même lui baille à être humain pour nous connaître comment pour nous avoir des relations saines et solides. Lundi dernier, nous avons vu les nouveaux médias, l'éducation et la Bible. Nous avons vu qui place que nouveaux médias sont capables de jouer dans l'éducation et qui place que la Bible lui-même li baille à nouveaux médias. Comment que nous capables de faire face au danger des nouveaux médias. Mardi dernier, nous avons vu les pressions de groupe face à notre identité. Nous te voyons comment pour nous capables gérer propre identité nous par rapport aux pressions de groupe. Les pressions de groupe viennent venir comment pour nous gérer pour nous capables affirmer notre propre identité. Mercredi, qui c'est hier, nous t'avons traité sujet ça qui était gain pour titre la discipline et le modèle rédempteur. Nous te voyons comment ou capable discipliner un petit monde sans qu'on pas détruire la caille identité que il gagne sans qu'on pas battre moun ça sans qu'on pas offrir des peines punitives mon capable corriger à travers des peines correctives qui a permettre si moun ça lui-même li mieux vivre.
Et aujourd'hui, encore une fois, nous avons un sujet pour vous-même, Maswea, qui a suivi nous côté curieux. Hein? Et sujet, ça lui-même, il y a pour titre la modélisation et la rédemption. La modélisation et la rédemption. Et verset que nous avons pour Maswea, par rapport à ce sujet, ce texte que nous avons lu tout à l'heure, c'était Éphésiens 5, le verset 1 et 2, qui dit « Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrant un sacrifice comme un parfum de bonne odeur. » Et n'évitez à prier avant même que nous rentrions dans le sujet, nous pour assouer. Adorable Père des cieux, merci encore une fois pour la possibilité que tu nous accordes d'être en ta présence, côté que nous allons débattre à travers ce sujet, la modélisation et le modèle rédempteur. Nous demandons qu'on soit capable d'aider nos pères des cieux à traiter ce sujet ça non pas selon notre propre volonté, mais selon ta volonté. Accompagne-nous, ô Père, dirige-nous, pardonne nos fautes, bénis chaque ami, internaute, bénis chaque ami qui a écouté nous quelque part, éducateur, parent, instructeur, voisin, voisine, tout le monde qui a une œuvre d'éducation que vous-même y a exercé. Nous demandons qu'on soit capable toujours aider nous à arrêter à tes pieds pour nous capable trouver des leçons et qu'on soit nous-mêmes tout pour nous prodiguer des leçons d'éducation à nos enfants, à nos amis. Et aussi à nos membres d'église, comme ça, nous va permettre que éducation avec rédemption capable toujours mélanger comme une seule œuvre pour permettre que nous capables non seulement vivre bien sur cette terre, mais aussi pour avoir l'espérance de la vie de l'au-delà. Pardonne nos fautes, dirige-nous si nous te prions et sinon avec tu et mérite que nous possédons. Mais c'est dans le bon nom de Jésus, lui qui vit, qui règne, dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. La modélisation est la rédemption. Mes chers amis, qui ça modélisation lui-même lié? Eh bien, la modélisation, c'est une théorie d'apprentissage social côté que li gagne différents noms que le capable présenter sous lui. Y aurait parfois apprentissage vicariant. L'hypothèse non tout modélisation, li associé à un auteur côté que yo adressé la lui-même qui c'est Albert Bandura. Albert Bandura, c'est lui-même que yo bail crédit pour théorie ça qui relève théorie de la modélisation. Et yo relève théorie ça encore une fois, théorie de l'influence ou encore théorie de l'apprentissage et du développement par le modèle. Théorie ça lui-même, li gagne comme origine. Bien sûr, et dans l'origine, il a gagné seulement un demi-siècle, c'est-à-dire à peu près 50 ans depuis que il a été accordé à Albert Bandura, il a pérennisé Albert Bandura comme étant le père de cette théorie qui c'est la théorie de la modélisation. Mais mes chers amis, nous allons voir que cette théorie que Albert Bandura lui-même l'hypothèse et non comme père de théorie ça a été existé des temps avant. Puisque nous sommes capables de réaliser à travers la Bible, il y a 2000 ans, Paul lui-même l'a déclaré dans 2 Corinthiens 3, verset 18, Paul était soutenu sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'en contemplant la gloire de Dieu, soit son caractère, nous sommes transformés à son image. C'est but. Et méthode ça encore théorie ça qui c'est modélisation hein? C'est former, c'est instruire à travers des images, c'est permettre que moun kap suive ou en lui-même li apprendre à travers comportement, à travers gens que vous-même ou ap vive. Et voilà que avant même que Bandura lui-même li t'ait établi cette théorie de manière que bal pote non que c'est lui-même qui perd théorie ça, apôtre Paul t'ait fait cette déclaration qui t'ait fait comprendre que ou capable apprendre pendant que vous-même ou ap suive un modèle. Et Paul lui-même, ce modèle qu'il nous invite à suivre en ce soir, ce n'est pas un modèle humain, mais il nous demande de suivre la gloire de Dieu, de suivre le caractère de Dieu, et nous serons transformés à l'image de ce Dieu. L'apôtre Paul demandait pour nous capables suivre l'image de la gloire de Dieu, pour nous capables suivre le caractère divin, et comme ça, nous capables transformer, non pas transformer pour nous capables et assembler avec un autre monde, mais de préférence pour nous capables gagner l'image de Dieu en nous. Et sans doute, le Saint-Esprit lui-même, c'est lui-même qui est capable d'agir comme étant l'agent principal pour cette transformation. Principe ça lui-même qui c'est le principe d'observation, il bail des résultats.
li permet que un petit monde yon apprenant capable de transformer d'un jour à un autre. Côté que petit monde ça lui-même, li gen des mécanismes de développement qui a fait la kayli grâce à observation que lui-même l'a mené. On nous dit très clairement que les enfants apprennent en intériorisant les activités, les habitudes, le vocabulaire et les idées des membres de la communauté dans laquelle ils grandissent. Si moun yo apprend par rapport à qui ça yo tande k'ap di nan société côté yo, qui gens moun ki la yo ap agi, qui genre de idées qu'yo ap véhiculer et ça fait nous comprendre gagnon dominance que milieu de si moun nan la dan lan lui-même li gagne la caille li. Dernièrement nous t'ai parlé de ce qu'on appelle le déterminisme social. Nous t'ai dit que déterminisme social là c'est poids que société si moun nan levé la dan lan gagne sous la vie li. Et jodi a nous capable réaliser modélisation lui-même li fait aussi dans milieu ambiant côté que ti moun sa lui-même l'a évolué. Mes chers amis, la Bible ne s'arrête pas là sur la modélisation puisque l'apôtre Jacques lui-même l'était écrit dans sa lettre à l'église primitive, ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres, mes frères, vous le savez, nous recevons un jugement plus sévère. Jacques 3 verset 1er. Jacques lui-même lui a avancé pour dire nous pas besoin nous tout gourmer pour nous capable venir des professeurs, venir des maîtres, venir des enseignants puisque conséquence nous c'est des conséquences qu'il y a plus sévères jugement que n'a recevoir en tant qu'enseignant, en tant que parent, en tant que directeur, en tant que instructeur, en tant que monde qui a formé Simonio, jugement nous gain pour plus dur. Ça fait dit ça. Jacques lui-même devait faire comprendre comment ça que n'a gagné comme vie par rapport à ti moun n'a enseigné yo, li gen yon prépondérance sous la vie yo. Si ti moun sa yo même yo erré, nous même n'a gen un jugement qui plus sévère par rapport à ti moun sa yo parce que c'est nous même yo t'a suivre comme modèle. Là nous capable comprendre que la modélisation c'est une façon que ou capable enseigner yon moun à travers modèle que ou même ou baili. Et c'est là qu'il est important de penser sérieusement sur notre responsabilité en tant que maître parce que ti moun nou yo soit de manière consciente, soit de manière inconsciente, nous servions de modèle. Et c'est raison ça que fait Jacques lui-même lui déclarer que notre jugement sera plus sévère par rapport à ça que n'exerçait comme influence sur les enfants. En ce soir, il y a un auteur que n'a présenté ou qui c'est un auteur adventiste de longue date qui c'était un éducateur qui est George Acker. Georges Acker lui-même lui rappelait que nous ne devons jamais sous-estimer l'ascendant d'un instituteur. Il dit bien, les plus jeunes tendent naturellement à idolâtrer des héros et l'influence des maîtres qui craignent Dieu sur le caractère en formation est incalculable. Eh bien, Acker lui-même lui fait comprendre que nous ne devons jamais sous-estimer l'ascendant d'un instituteur. C'est-à-dire moun k'ap sorti de lui-même que l'a formé yo puisque naturellement on nous dit que jeune yo ou encore moun k'ap apprendre yo toujours gen tendance pour capable idolâtrer des héros. Ou ap remarqué ça ti moun yo dans classe là le plus souvent yo toujours gen tendance à imiter professeur que yo gen. Ou après parfois ti moun yo développer même caractère ensemble avec professeur ça. Ou après ti moun ça qu'on développer même habitude avec professeur ça. C'est de même aussi à la maison. Ou capable remarquer si son petit garçon, il gagne tendance à gagner même caractère avec papa. C'est pas un bagage qui grave. Ou capable réaliser aussi si son petit fille, il gagne même tendance avec maman li. C'est pas grave, c'est parce que formation de Simon ça, li fait par ce qu'on appelle la modélisation. Ça qui fait nous comprendre nous gagne responsabilité pour nous capable bailler Simon ça yo de bon modèle. C'est ça à quel lui-même il a avancé. On nous dit qu'il existe sans doute des éducateurs, des parents qui pas voulait pour capable devenir modèle pour qui que ce soit. Parfois yo même dit que moi pas modèle personne, nous pas besoin suivre moi. Mais mes chers amis, faut capable comprendre que nous même en tant que parents, côté que nous trouvons en tant que professeur, en tant que éducateur, la place que nous occupons, c'est la place de Jésus. Dans le sens que c'est dans place Jésus à nous. Une fois que nous dans place Jésus, formation que nous devons offrir à Simon Sayo, c'est formation que Jésus lui-même lui t'a offri à eux-mêmes. On est en train de jouer le rôle de Jésus-Christ lorsque nous sommes en train de former nos enfants, puisque c'est ça que mon Dieu lui-même lui gagne pour nous comme plan. C'est surtout permettre Simon Sayo d'avoir un caractère qui élevé. C'est le plan divin pour les enfants
mais aussi pour nous en tant que parents. Mais lorsque un enseignant chrétien lui-même lui déclarait que ça n'a pas intéressé pour le capable un modèle pour l'élève Lio, ou plus encore, si vous refusez d'assumer votre responsabilité en tant que parent, en tant que monde qui a formé de Simonio, c'est comme si vous êtes capable de dire ou son parent qui évite de prendre responsabilité de Simonio et ceci après la naissance. Et c'est là qu'il est trop tard. C'est un coup un professeur qui franchit l'allée de une salle de classe, qui commençait à enseigner et qui a dit Simonio n'a pas envie pour le capable influencer yo. Mais c'est déjà trop tard. Une fois qu'on est rentré dans la salle de classe, une fois que Timoun a observé ou qu'on a un modèle pour Timoun ça. Et le plus souvent, nous influençons Timoun ça, que ce soit de manière consciente, que ce soit de manière inconsciente. Timoun est capable de reproduire des actes que vous-même vous avez produits sans que lui-même n'est pas même conscient de ça. Influencer positivement la vie des jeunes pour le Christ, c'est le but de chaque parent, de chaque éducateur, de chaque personne désirant aider un enfant. Le but que nous avons, chers parents, le but que nous avons, chers éducateurs, c'est d'influencer positivement la vie des jeunes pour le Christ. Voilà le but de notre éducation. Et c'est ça qui fait nous capables de comprendre que éducation avec rédemption fait yon seul. C'est même œuvre là yoyé, puisque même œuvre ça que éducation gagne, c'est lui même rédemption gagne qui s'est influencé positivement la vie des jeunes pour le Christ. Et c'est un but qui est très élevé. Ti moun qui abjouit de yon autorité saine de la part de parents yo, ti moun qui abjouit de yon influence qui plus ou moins et qui sorti et de un monde qui gagne et des comportements qui plus ou moins sains, ti moun sa yo après yo gen plus tendance pour yo capable devenir dans société a des monde qui continuer pratiquer les œuvres de Dieu, qui continuer pratiquer les œuvres que Jésus-Christ lui-même lui mettait dans leur cœur. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit à côté que nous trouvons nous, toujours songer que la place que nous occupons en tant qu'éducateurs, en tant que parents, c'est la place de Jésus. Et c'est ainsi que les conséquences de notre enseignement dépassent infiniment la réalité de soit Johnny qui a pas apprendre et lire ou bien qui pas apprendre lire, soit Suzy qui comprend ou bien qui pas comprendre une équation, qui pas comprendre un numéro mathématique. Ça allait au-delà de ça, puisque ce que nous sommes en train de faire, c'est de prendre la place de Jésus. Donc, une fois que nous prenons la place de Jésus, ça pas signifie que nous avons instruit Timounio seulement pour les équations, seulement pour les problèmes de mathématiques, mais aussi nous sommes en train de former ces enfants pour la vie d'ici-bas, mais aussi nous sommes en train de les aider à préparer leur vie de l'au-delà. C'est une responsabilité solennelle. Et c'est pour cela que nous devons réfléchir et demander si nous sommes prêts pour une telle mission. Nous pas capables de devenir parents par hasard. Nous ne pas devenir parents par hasard. Nous ne pas capables de devenir éducateurs par hasard. C'est quelque chose qui demande une bonne préparation. Est-ce que vous-même ou prêt pour capable transmettre à ses enfants, à ses élèves que ou gagner un bon comportement? Est-ce qu'on prêt pour capable transmettre des leçons qui capable aider vraiment dans la vie? On nous dit que le maître chrétien, il agit dans la salle de cours comme le représentant de Dieu dans le plan de la rédemption. Par quel j'y parle lui-même, il mettait en évidence cette vérité en déclarant, nous enseignons ce que nous sommes. C'est comme si enseigner, c'est comme toute activité humaine, là-dedans il sortit du plus profond de nous-mêmes. Et ceci c'est pour le meilleur et pour le pire. Lorsque nous sommes en train d'éduquer les enfants, c'est un acte qui sortit du plus très fond de notre intériorité, qui sortit du plus profond de nous-mêmes. Lorsque nous avons enseigné Timounio, c'est nous-mêmes encore que nous avons offert à nous-mêmes. Donc en ce sens, ce que nous projetons à Timounio, c'est condition de vie nous que nous devons. Et si condition de vie nous pas en règle, c'est que nous pouvons prêts pour nous capables former vraiment, pour nous capables devenir des éducateurs. Mes chers amis, il est important que harmonie capable régner entre ça n'a dit et ça n'a fait. Ou pas capable professeur pour bailler ti moun nan des leçons ou enseigner de manière théorique seulement, mais faut enseigner de manière pratique. Et c'est là l'importance de la modélisation. Des fois qu'a penser ti moun nan pas suivre vous, mais pourtant ça que vous fait en plus intéressé que ça ou même que vous dit. C'est pourquoi lorsque comportement différent de ça que vous dit, ou capable remarquer que ti moun nan plus reproduit ça que vous fait que ça que vous dit. C'est pourquoi, lorsque l'apôtre Paul écrivant
aux croyants de Thessalonique, il mentionne sa conduite et celle de ses compagnons au cours d'une visite précédente à leur église. Apôtre Paul, qui comprend ce qu'est la modélisation, lui affirme ceci aux Thessaloniques en disant « Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. » La déclaration de l'apôtre Paul, qui est capable en ce soir constituer comme étant une invitation à la modélisation, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens « Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. » 2 Thessaloniciens 3, le verset 9. Sous ta prend texte ça hors du contexte, peut-être qu'on est capable et ouais apôtre Paul trouver le très arrogant ou bien très pompeux. Mais cependant, ça apôtre Paul lui-même l'était voulait dit, l'était voulait simplement faire comprendre à ses lecteurs qu'il n'y avait pas de contradiction entre son enseignement et ses actions. Apôtre Paul te voulait montrer à Thessaloniciens que pas gagner vraiment discordance. Ça l'a dit avec ça l'a fait, pas des thèmes qui antagonisent, c'est-à-dire qui mélangent. Apôtre Paul affirmait que la modélisation, lui doit faire en accord avec ça l'a dit et comment ou même l'a agi. Et nous aussi, nous sommes appelés à répondre aux mêmes normes en tant qu'éducateurs, en tant que parents chrétiens. Nous devons assurer la conformité entre ce que nous enseignons à nos élèves et ce que nous désirons qu'ils deviennent. Et l'exemple que nous leur donnons, si caractère nous, lui-même, lui pas chercher à enseigner à Simon Sayo, yon éducation qui est assez élevée pour capable élever nan yo, nous pas digne pour nous capable éducateur ou pour nous capable parent. Mes chers amis, en sorte que, comprendre très bien qu'être éducateur, être parent, être instructeur, lever de Simon, ce n'est pas un bagage qui fait au hasard, mais c'est de préférence quelque chose qui gagne une bonne préparation. Une bonne préparation non seulement avec les matériels que vous allez utiliser, mais aussi avec la vie que vous allez mener, puisque Simon apprend par ce qu'on appelle la modélisation. Et on nous présente le succès de Jésus dans la classe avec les 12 disciples qu'ils avaient. C'est parce que Jésus lui-même était printemps pour être capable de faire sacrer les modélisation. Formation de 10 disciples, c'est un meilleur exemple d'enseignement que Jésus-Christ lui-même l'a quitté pour nous. Puisque disciples, plus que tout l'autre élève qui était capable de gagner, il était bénéficié de la présence de Jésus. Jésus, côté que le passé, il était toujours accompagné de ses disciples. Il était utilisé toute situation pour être capable de mettre dans le contexte pour être capable d'apprendre. On nous dit que les relations intimes qu'il établit avec ses collaborateurs, ses privilégiés qui étaient les disciples, lui permirent de laisser en eux son empreinte. Jésus était toujours présent pour ses élèves. De même, chers parents, éducateur courrier, nous invitons ce soir à penser à avoir du temps pour tes élèves, à avoir du temps pour tes enfants. Songez bien que le premier foyer, c'est la famille. Donc, ou doit gagner temps pour foyer, ou doit gagner temps pour famille, ou doit gagner temps pour monde que vous avez formé, ou doit gagner temps pour monde que vous avez éduqué, et c'est là où vous avez pratiqué. Bonne notion que Jésus lui-même l'a quitté pour nous. On voit que Jésus, il mangeait avec ses disciples. Il était au bord de la mer avec eux. Il s'asseyait au flanc de colline ensemble avec eux en méditant sur la vérité de la parole de Dieu. Il adorait avec eux dans les synagogues et il se fraternisait dans des banquets, dans des mariages. Jésus était en train d'exemplifier pour ses disciples ce qu'est la modélisation. Et la mission du maître, la mission de Jésus en tant qu'enseignant, la mission que Jésus lui-même lui tape mener sur cette terre, c'est même mission ça que nous devons gagner en tant que parents, en tant qu'éducateurs. Et cette mission n'est autre que graver Jésus à travers leur cœur. Jésus t'a offert tête li pour être capable de graver comme une empreinte indélébile qui ne va jamais effacer la caille disciple. Et c'est de même pour nous aujourd'hui. Nous devons apprendre à mettre Jésus dans nos enseignements. Nous ne devons pas seulement enseigner de Simonio des leçons qui sont capables de faire yo et vivre en société seulement, mais des leçons qui sont capables d'élever nos yo vers le Christ. Et c'est là notre but en tant qu'éducateurs chrétiens. Cependant, nous capables d'utiliser tout espace social yo pour permettre Simon Sayo de développer,
Pendant que nous avons offert des leçons spirituelles, nous sommes capables d'utiliser la cafétéria, les terrains de jeu, les moments de sport pour nous capables de former Timoun Sayo. Puisque l'empreinte que nous avons laissée, la caille Timoun Sayo, doit des empreintes qui ne peuvent jamais sortir, et ceci dans toutes les situations. Dans n'importe quelle condition que Timoun soit capable de trouver. Dans Éphésiens 5, verset 1, Né 2, il nous a dit d'imiter donc Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrant des sacrifices comme un parfum de bonne odeur. Ce commandement, ils sont commandements qui de taille. Il demande pour nous seulement capables d'imiter Dieu et mener une vie inspirée par l'amour. Imiter Dieu et mener une vie inspiré par l'amour. Et je crois que c'est le point de départ. C'est le point de départ ça que tout éducateur, tout parent t'a doué gagner pour ne capable faire simon yo même, yo gagner yon vie en harmonie avec le Père céleste mais aussi en harmonie avec leurs frères et leurs sœurs. Dieu nous a aimé tellement qu'il a sacrifié son propre fils afin de nous donner la vie éternelle. Dieu nous a aimé tellement que lui voyait propre petite lui vienne mourir pour nous-mêmes et ce modèle d'amour ça que bon Dieu lui-même lui mandé pour nous capable pratiquer et c'est plus grande leçon que nous capable enseigner à nos enfants des leçons qui montrer côté que yo doit non seulement aimer bon Dieu mais yo doit aimer moun qui autour de yo et ce genre de leçons ça yo que nous capable bailler si moun yo non seulement par des leçons théoriques mais aussi par des leçons pratiques et les noix déclarent en philosophie qu'en éducation, il explique en méditant sur les perfections du Sauveur, nous sentirons naître en nous le désir d'être entièrement renouvelé et transformé par sa pure image. Il est nous invité à pratiquer la modélisation, côté que l'image que nous avons offert à nous enseigner, capable des images qui des images claires de Jésus, des images claires de l'amour de Dieu dans notre vie. Il a dit que l'amour qui lui a manifesté par la mort du Christ éveille une réponse d'amour, une réponse de reconnaissance et en retour de la prière sincère, le croyant est transporté de grâce en grâce, de gloire en gloire, jusqu'à ce que par la contemplation du Christ, il soit changé en la même image. Et le noir t'invite pour nous capables de comprendre que lorsque nous connectons à Christ, nous offrons l'image que nous recevons de la part de Dieu à ce que nous sommes en train d'éduquer. En ce soir, la question que j'aimerais poser à chacun d'entre vous, c'est une question qui est personnelle à chacun d'entre nous. Est-ce que vraiment vous voulez manifester le caractère de Christ à travers tes comportements? Est-ce que vous voulez manifester le comportement de Christ à travers ça que vous-même vous avez prodigué comme conseil, comme aide, comme éducation à Timoun que vous avez formé? Comment vous êtes capable d'arriver à Timoun Sayo vraiment l'image de Dieu? Comment vous êtes capable d'arriver à manifester à travers tes comportements l'image de Dieu comme étant sauveur? C'est deux façons qui présentent. Nous trouvons exemple ça à travers et comportement que Jésus lui-même l'était gagné avec disciples yo. Premièrement, c'est qui quantité de temps que il était passé ensemble avec yo et aussi qui qualité de temps. Dans œuvre ça qui s'est contemplé le Seigneur, gagne deux choses qui importantes en pile. Deux facteurs ça yo, c'est d'abord la quantité de temps passé à contempler Dieu, mais aussi la qualité de ce temps que nous passons. Il a dit que Jean un disciple de Jésus, il était prêt pour être capable de contempler le Seigneur jusqu'à ce que la ville change. Nos enfants, ils prennent du temps pour contempler nos comportements. Mes chers amis, si nous aussi nous voulons à ce que la vie de Christ soit manifestée dans notre vie, nous devons prendre du temps pour contempler la grandeur de Dieu. Et c'est là que le comportement nous-mêmes a changé. On nous dit qu'il est très important de continuer à contempler Jésus jusqu'à ce qu'une transformation se produise dans notre vie. Et si nous sentons que le caractère nous peut changer, c'est que nous pouvons passer assez de temps à contempler le Seigneur. Et les Noirs lui-même lui suggérer, il nous serait avantageux de passer chaque jour une heure dans la méditation et la contemplation de la vie de Christ, de la crèche jusqu'au calvaire.
Il nous a demandé l'étape nécessaire, si en tant qu'éducateur chrétien que nous sommes, si en tant que parent chrétien que nous sommes, nous passons au moins une heure par jour à contempler, à méditer à travers les vérités de la vie de Jésus, que ce soit de la crèche jusqu'au calvaire. Et en se basant sur les recherches de Bandura, qui est un grand théoricien de l'apprentissage social, et les témoignages des Saintes Écritures, nous sommes capables de comprendre comment nous sommes capables de refléter le caractère nous, en tant que chrétiens, en tant que maîtres, en tant qu'éducateurs sur nos enfants, et qui impacte ça lui-même l'a gagné dans la vie de Simon Sayo. Pour finir en ce soir, nous vous donnons l'exemple de Jésus qui, avec ses disciples, passait du temps en qualité et en quantité avec eux. Jésus était toujours présent auprès de ses disciples. Il passait du temps avec eux. C'est de même pour nous-mêmes tout cap formé de Simon yo. Nous devons passer du temps ensemble avec eux. Être éducateur, il n'est pas capable d'un hasard. C'est quelque chose qui méritait une bonne préparation. Et nous voyons que ça que nous recevons de la part de Jésus comme image, nous devons aussi transmettre yo à Simon yo. Toujours songer que les enfants, les jeunes, ils apprennent mieux à travers ce que nous sommes en train de faire que ce que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi il est nécessaire que comportement nous yo aller ensemble avec ça que nous dit yo. Et puisque il nous a demandé que nous ayons une vie transformée en contemplant le Seigneur, c'est le vœu. C'est le secret que nous avons à partager en ce soir. C'est le vœu de mon cœur pour vous et pour moi en ce soir. Reflétez le caractère du Seigneur et que le Seigneur vous bénisse. C'est un seul mot nous a adressé par le Seigneur pour message si là, c'est merci. Mais au même tout qui te prend plaisir pour garder avec nous, pour apprendre avec nous, pour éduquer tes tout avec nous, nous disons merci tout. Nous voyons comment il est important pour nous apprendre par l'exemple, comment apprentissage fait à partir de imitation. En nous décider ensemble pour nous imiter Christ là. Pour nous aller dans le même sens avec lui, pour nous faire ça l'été qu'on fait. Comme ça, nous allons appliquer l'éducation. Nous allons appliquer dans la vie, nous, dans la vie famille, nous, petite, nous et tout, entourage nous. Merci parce que vous avez suivi nous. Nous avons invité à présent pour vous tout. Et encore une fois, nous allons faire monter en prière vers notre Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, nous nous bénissons, nous nous louons et exaltons pour tout ça qui est bon dans la vie. Nous. Merci encore une fois pour cette semaine de prière ça, ou porter pour nous même qui, derrière que nous cap suivre, cap garder, cap apprendre, nous même qui gagnons famille, yon madame, yon petite, yon soeur, yon frère, et qui besoin connaît comment pour nous comporter nous. Au regard de l'éducation par rapport à moun sa yo. Merci pour deux semaines sa yo pour nous capable mieux comporter nous et pour nous capable mieux avancer avec parole loi, ta parole de rédemption, car l'éducation et la rédemption sont une seule et même œuvre, yon seul et un même travail. Travail ça ou même qui gagne tout pouvoir ou fait li. Mais vous permettez, à partir de images ou reflétées dans nous, permettre que nous-mêmes tout, nous faisons un petit cal dans le travail ça, travail éducation et travail ça qui a mené l'autre monde à la rédemption. Merci pour pouvoir ça ou ben nous malgré nous c'est des pécheurs, malgré nous commettons péché, nous commettons iniquité, mais ou là, ou chita parmi nous. Et nous venons là, Seigneur, pour nous capables de dire merci pour ça, pour nous capables d'adorer. On va aller là, kay chaque monde qui a suivi nous pour l'instant, bah, live là. On va arrêter là, kay yo, quitter l'esprit ou là, kay yo, quitter l'esprit ou demeurer dans yo même, dans famille yo, dans petite yo. Tendre Père,
Nous remercions pour le mouvement évangélique des ouvriers de la dernière heure. Et merci tout pour les supporters qui toujours accompagnent nous. Merci pour toute l'idée au bas nous, l'idée pour nous venir avec semaine de prière, ça, deux semaines, ça, surtout, pour montrer au peuple là comment l'œuvre de l'éducation li a marché, li doit marcher ou bien li doit prêcher dans le monde là. Merci pour l'amour, merci pour grâce ou fait nous. Ça nous souhaite demander aujourd'hui à qui plus important pour nous, c'est pardon, puis chez nous chaque qui l'a. C'est pardon péché nous. Parce que sans lui-même, nous ne sommes pas capables de faire rien, tendre Père. Pardonnez péché nous, protégez-nous, dirigez-nous. Si nous prions, c'est, j'en ai toujours dit, pas en tant que monde qui est bon, pas en tant que monde qui est digne, mais c'est dans le nom de Jésus-Christ. Petit tout. Lui-même qui vive, qui régne au siècle des siècles. Amen. Voilà. Merci à vous-même qui tape suivre nous pour émission ça est arrivé la caillou. Nous avons gagné collaboration frère Saint-Simon Jean-Jules, sœur Loudia Adrien sous supervision ingénieur Daniel Pierre. Restez branchés, on va enjoy avec nous si musique ça on va le passer là donc on va chanter on va prendre plaisir sainement sous la protection et sous la grâce de notre Dieu. Au revoir. Essayez, fais même bagaille pour te bailler la vie ou tout. Courir, venez joindre moi, te causer chaque miracle. En même temps, vous criez, amour, moi, vaut tout ça. Bon Dieu, poursuivre moi. C'est gloire, l'amour sans compé qui part, j'en finis. Ou pas, j'en suspend, à passion et gloire, l'amour sans compé qui part, j'en finis. Ou croisez silence. Chant d'espoir, une mélodie qui sonne en d'enfant en moi. Où t'es couru, joigne-moi, où t'es crasé chaque miracle. En même temps, où crier, amour, moi, vaut tout ça. Bon Dieu, poursuis. Yes, one.
change pas. Éternel, mon rocher, ma paix, de puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon âme au jour de la détresse. Et si je comes flowing down.
stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned, unclean. We're singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me, it was in the garden. Drops of blood for mine. Singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, how wonderful is my Savior's love. My sorrows and made them his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. And how marvelous, how wonderful, and my song. She left.